Bon, bah, c'est le deuxième boxing. Après le petit boxing sur Non et compagnie. Enfin, voici le Rumble numéro 13 qui arrive. Je sais pas si c'est début septembre, c'est bon. Gilles a oublié de mettre le 12. Je lui ai dit putain, il y a marqué 12 et 13. Il a oublié le 12. Donc, on fera plus tard, on va dire. Brave le tout. Donc, là, je vais montrer un petit peu ça en live. J'ai pas vu, j'ai pas fait trop spoil. En fait, après, oui, parce que j'ai vu après les spoils dans le jump, dans le net. Hein. Donc voilà, ça c'est donc le numéro 13 sorti au Japon il y a un mois environ. Même pas normal, sorti au début c'est vraiment. Donc le 4. En fait, je l'ai acheté, j'ai acheté au Japon, mais comme je sais pas. Voilà, donc c'est le numéro 13 avec le belge avec la jaquette. Montez vite fait ce qu'il y a derrière en dessous. Voilà. Voilà. Donc là c'est le combat. Voilà. Allez, montez vite fait un peu. Enfin, bon. Voilà, ça c'est le montant principal ça. Voilà, avec la cover, l'équipe Molo, voilà, Fusion, voilà, tout ça. Voilà, c'est bien, je le dirai plus tard. Là franchement j'ai deux touches à foutre, mais franchement avec les. En fait, c'est Europe, les 12, c'est au moins je pense. Donc voilà, la semaine prochaine, on l'aura pas. Moi le Japon c'est la fin, le 14. Je peux pas le montrer, mais voilà, c'est des fois ça. Voilà, et tu joues, c'est pas vraiment de faire les règles. Ah, mais c'est de Rumble le 13, hein. Le 14, oui, c'est donc, oui, c'est 3. Là, au Japon, j'ai un chapitre 64, sorti déjà fait tout le temps. Le prochain sera, oui, ce sera décembre ou janvier, je pense. Au théorie, hein. Bon, il est comme ça, hein. Allez, c'est une petite vidéo de boxing de Rumble Super, le 13, le 12, vous verrez bien, parce qu'il va vous lever les dents, voilà. Allez, voir, c'est le film. Boxing Rumble 13. Nice. We'll be right back.